Ce moment, inspire les paroles de nos bouches, inspire les sentiments de nos cœurs. Mets ton œuvre au milieu de nous, Seigneur. Nous t'adorons, Yahweh. Amen, 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 amen. Assure-toi, la présence de Dieu est là et on va continuer à prier tout à l'heure. La présence de Dieu est là et on va prêcher et on va prier en même temps. Dis-moi un bon amen. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu sais qui tu es en Jésus-Christ? Pose-lui la question. Mais réponds à ton voisin, il t'a posé une question. Amen, le monde prend place. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue ici au campus de Cergy, un endroit où des gens ordinaires expérimentent la présence d'une personne extraordinaire, la personne de Dieu au travers du Saint-Esprit. Si tu veux nous dire un bon amen. Nous sommes heureux de passer ce culte avec vous et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. Est-ce qu'on peut me dire un bon amen si vous êtes d'accord avec ça? Amen. Depuis le début d'année, nous sommes en route pour posséder notre héritage. Viens avec moi, j'ai un héritage. Et n'oublions jamais que Dieu, avant de faire quoi que ce soit dans notre vie, il envoie toujours sa parole. S'il nous parle de l'héritage, c'est qu'il désire manifester l'héritage dans notre vie. Et nous avons expliqué que l'héritage, c'est un standard de vie que Dieu nous donne. Jean 10:10 nous dit quoi? Jésus est venu pour que nous ayons des vies compliquées, des vies difficiles, des vies broke. Non, pour que nous ayons la vie, que nous l'ayons là. Abondance, la vie Zoé, la vie de Dieu, la même vie que Dieu a, qu'on l'ait et qu'on la vive en abondance, c'est-à-dire dans sa plénitude. Il veut que tu puisses vivre la vie de Dieu dans sa plénitude. Dis à ton voisin, tu dois vivre la vie de Dieu dans sa plénitude. Et nous avons dit que Dieu a réservé pour nous un héritage. Dans cet héritage, il y a la vie, il y a Dieu lui-même. Il y a le pardon des péchés, il y a la vie éternelle, il y a la guérison, il y a la paix, il y a la joie, il y a la prospérité financière, il y a une postérité flamboyante, il y a un mariage épanoui productif, il y a la victoire sur le diable et les œuvres des ténèbres, il y a des territoires, il y a des nations à prendre. Tout ça, ça fait partie de notre héritage. Dis waouh! Car l'héritage est grand, l'héritage est immense et il est pour nous, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons expliqué que le mot héritage parle d'un standard de vie qui est réservé à tous ceux qui sont en Christ. Et ce matin, je voudrais que tu ne penses pas que l'héritage, ce sont seulement des choses qu'on doit acquérir, mais que tu réalises ce matin que l'héritage aussi impacte toute notre identité. Et ce matin, je vais te parler de l'identité, comprendre ce que veut dire être une nouvelle création, ou plutôt comprendre l'identité de la nouvelle création. Amen. Et nous commençons maintenant un grand thème qui sera posséder son héritage. Ce matin, nous allons parler de l'identité. Amen. Du temps avec plusieurs. Et puis aussi, lorsque nous avons prié pour plusieurs personnes, nous avons réalisé que ce qui fait la différence, parfois, ce n'est pas l'intensité de la prière. Ce n'est pas l'intensité de la corde vocale. Ce n'est même pas l'onction qui est sur la personne. Souvent, ce qui fait aussi la différence, c'est véritablement, est-ce que la personne pour laquelle nous prions, est-ce qu'elle a conscience de ce qu'elle est en Christ? Et c'est pourquoi on doit tous comprendre que l'identité est primordiale et que tu dois comprendre qui tu es devenu en Christ. Dis-moi un bon amen, je suis d'accord avec ça. Et cela fait partie des fondements de notre vie chrétienne. Et parfois, en général, on n'aime pas les fondements,
Parce que les fondements, c'est la fondation de base. Et pourtant, on doit comprendre que la fondation de base, les fondements, ça détermine la solidité et la longévité de toute œuvre. Dis-moi un bon amen, je suis d'accord avec ça. À l'école, parfois, les enfants n'aiment pas apprendre les tables de multiplication parce qu'ils disent, ils trouvent ça ennuyeux d'apprendre les tables de multiplication, de les mémoriser. Parce qu'ils ne voient pas forcément à quoi ça sert. Moi, je rappelle, quand j'étais enfant, je n'aimais pas ça du tout. Mais si on méprise ces fondements de l'arithmétique, c'est-à-dire la soustraction, l'addition, la multiplication, la division, on ne sera jamais capable par la suite de gérer de l'argent parce qu'on ne saura pas compter. Les fondements sont essentiels. Dis avec moi, les fondements sont essentiels. Amen. Et il est bon, par exemple, de vouloir construire une belle maison, de penser à la belle fenêtre, au beau rideau, de penser à la belle porte, au carreau, etc. Mais quand les vents et les tempêtes vont venir, ce qui fait que la maison tient, ce n'est pas les rideaux, ce n'est pas les belles fenêtres, c'est parce que les fondations de la maison ont été correctement posées. Dis-moi un bon amen. Amen. Tout ça, la fondation est essentielle. Et si dans notre vie, on trouve encore après plusieurs années des problèmes comme impudicité, comme tristesse, comme peur, comme oppression, c'est qu'il faut parfois revoir la fondation et voir s'il n'y a pas un problème au niveau de la fondation. Amen. Ce matin, je voudrais te parler de ce que tu es devenu en Christ et que tu puisses connaître ton identité parce que tout part de la connaissance de l'identité. Tes choix sont déterminés par la connaissance de l'identité. Tes actes sont déterminés par la connaissance de l'identité. Dis-moi bon amen. Si tu me suis, dis-moi, je te suis. Et nous devons tous réaliser que il y a une question que les circonstances, les personnes autour de toi, les problèmes, les situations vont te poser, c'est qui es-tu? Qui es-tu pour croire que tu vas t'en sortir? Qui es-tu pour croire que miracle, signe et prodige, ça se manifester pour toi? Qui es-tu pour croire que ça va être différent pour toi? Cette question de l'identité, les circonstances vont te les poser. Et même les gens autour de toi vont te poser cette question. Mais qui es-tu, toi? Viens te voir ça, qui es-tu? Réponds-lui. Réponds-lui. Si tu as dit Jean-Paul, c'est plus que ça. C'est plus qu'être Jean-Paul. Dis-moi bon amen. Parce que pourquoi je te dis ça? Jésus a été beaucoup, plusieurs lui ont posé cette question. Les pharisiens sont venus devant lui. Ils lui ont dit en Marc 11, verset 27. Marc 11, verset 27. La Bible nous dit que Jésus a chassé les esprits méchants. Et la Bible nous dit que les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens, vinrent à lui et lui dirent, par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire? La vérité, Jésus avait conscience qu'il avait l'autorité donnée par le Père. Et toi, est-ce que tu es conscient de ton autorité? Plusieurs fois, il lui demandait, mais de qui tu viens? Mais il dit, depuis le commencement, je vous l'ai dit, je viens du Père. Il avait conscience qu'il venait du Père, il savait qui il était. Même Satan a posé la question à Jésus. Il lui dit en Matthieu 4, verset 3, il dit, puisque si tu es le fils de Dieu, bah prends ces pains et prends ces pierres et transforme-les en pain. Vas-y, prouve que tu es le fils de Dieu. Mais Jésus, puisqu'il sait qu'il est le fils de Dieu et qu'il ne doit dépendre que du Père, il lui répond en Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce qu'il savait qu'il dépendait du Père, il ne veut pas réagir en fonction de ce que les gens pouvaient penser ou pouvaient dire. Dis-moi pour amen. Il savait qui il était, il savait qu'il dépendait du Père, il savait qu'il venait du Père et il savait qu'il détenait l'autorité venue du Père. Dis-moi pour amen. Ces dernières semaines, le frère Armand nous a parlé sur comment combattre pour remporter le combat pour le salut de sa famille. Amen. Dis-moi bon amen. Et cela nous a vraiment beaucoup encouragés. Mais sache que même parfois la famille va te poser la question, mais pour qui te prends-tu toi? Et c'est qu'il y avait aussi à Jésus en Marc 3 verset 21. Quand tu liras en Marc 3, Jésus a fait beaucoup de miracles. Et les gens se sont tous rendus chez Jésus, il y avait du monde chez Jésus. Et là à ce moment-là, les parents de Jésus sont venus le chercher. Et la Bible nous dit ceci, les parents de Jésus, c'est-à-dire, c'est pas que c'est père, mère, c'est-à-dire sa parenté, ses frères, ses sœurs. Ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui et il disait, il est hors de sens. C'est-à-dire que, le frère là, il est devenu fou. Tu me suis ou pas? Car Jésus était né de Dieu, mais il avait une famille adoptive avec Joseph et Marie. Et puis Marie a eu d'autres enfants. Et tous ont dit, mais
le gars est devenu hors de sens. C'est-à-dire qu'il a perdu tout son sens. Donc des fois, ne t'étonne pas que ta famille te dise, mais tu es devenu quand même un peu bizarre quand même. On ne te voit plus beaucoup. Tu as changé, ton langage a changé. Tiens, tu es devenu étrange. Peut-être qu'ils vont même faire des conseils de famille pour savoir ce qui se passe. Ne t'inquiète pas, Jésus a subi ça aussi. Dis amen. Dis amen. Mais pour te rassurer, t'encourager, les mêmes frères qui étaient avec Jésus, qui là, ici, on pensait qu'il avait perdu son sens. Plus tard, un de ses frères, un des enfants de Marie, Jacques, est devenu un des principaux responsables de l'église de Jérusalem. Et puis un autre, Jude, c'est celui qui a écrit le livre de Jude. Et dans ce livre, il s'appelle simplement, il dit « Je suis le frère de Jacques » en disant, bon, je ne vais pas dire « Je suis le frère de Jésus » parce que je ne suis pas né de Dieu directement. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ils ont grandi avec lui. Et cela te donne de l'espoir. Pourquoi? Parce que Jacques et Jude, eux, ils ont dit à Jésus qu'il était hors de sens. Maintenant, ils ont donné leur vie au Seigneur. Ils ont été une grande source de bénédiction. Donc, je proclame au nom de Jésus, même dans ta famille, même les personnes qui sont opposées, demain au nom de Jésus, ils se servent le Seigneur, ils seront avec toi dans ce lieu, ensemble vous louerez le Seigneur, et le Seigneur fera même une grande œuvre dans leur vie, dans le nom de Jésus. Dis-moi pour amen. Oh oui, il y a de l'espoir au nom de Jésus. C'est pour ça qu'il faut que tu saches véritablement qui tu es, parce que tu vas devoir grandir, progresser et montrer que ce que tu as cru en Jésus, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la plaisanterie, c'est sérieux, c'est une décision que tu as prise. Dis-moi pour amen. Ah oui, je te le dis, les gens vont te poser la question, mais qui crois-tu que tu es? Qui es-tu? Pour qui te prends-tu? Mais pas que les gens, les situations. L'échec te dira, mais regarde, dans ta famille, tout le monde a échoué. Pourquoi? Qui es-tu pour pouvoir réussir? Regarde dans ta famille, il y a eu des gens qui sont morts de telle maladie, à telle date, à tel moment, etc. C'est comme une personne que j'avais entendue, elle avait dit, oui, elle était partie voir le médecin. Non, monsieur le médecin, tous les gens dans ma famille ont eu le cancer du sein. Il faut m'enlever le sein, il faut m'enlever le sein. Parce qu'elle était personne qui allait avoir un cancer du sein. Le médecin a dit, mais madame, vous n'avez rien. Mais si. Il dit, ok, madame, on va regarder, bon, on va vous opérer. Donc ils ont fait exprès de l'endormir, ils ont juste mis juste une petite cicatrice ici. Et après le réveil, elle s'est dit, madame, c'est bon, vous êtes guérie. Elle a dit, yes, je l'avais dit. Que ce soit pas ton partage dans le nom de Jésus, dis-moi bon, amen. Tu n'es pas la même personne, ce que tes parents subissent, toi tu ne subiras pas dans le nom puissant de Jésus, dis-moi bon, amen. Et on va le voir pourquoi, et tu vas comprendre au travers de ton identité. Amen. Parce que parfois, on a dit cette année, c'est miracle, signe et prodige pour nous, dis-moi bon, amen. Mais qui dit miracle, dit situation compliquée. Qui dit prodige, dit situation que personne ne peut traverser. C'est pourquoi Dieu te dit miracle, signe et prodige. Sache que cette année, les situations vont te demander, mais pour qui te prends-tu? Et pour qui te prends-tu? Ouais, c'est ça. Qui es-tu? Et il va falloir vraiment que tu réalises cette année qui tu es en Jésus-Christ. Et réaliser que le Seigneur, ton Dieu, t'a positionné pour vivre miracle, signe et prodige. Que dans ta vie cette année il y a maladie incurable, je dis au nom de Jésus, miracle dans le nom de Jésus. Que dans ta vie il y a des situations impossibles, je dis prodige dans le nom de Jésus. Que personne n'ait eu ça avant toi, je dis signe dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu seras un signe au nom puissant de Jésus. Dis-moi bon amen. Mais pour vivre cela, il faut que tu connaisses ton identité. Je le dis, cela ne dépend pas de la puissance du pasteur. Tu n'as pas besoin de tel archibishop, shop, ou de tel prophète, archiprophète. Non, tu as juste besoin de connaître qui tu es en Jésus-Christ. Tu as juste besoin de connaître qui tu es en Jésus-Christ et qui est avec toi. Dis-moi pour amen. Amen. Alors ce matin, je voudrais te parler de ce que tu es en Christ. Première chose, tu es accepté de Dieu. Dis-moi bon amen. Tu es accepté de Dieu. Parce que j'ai parcouru plusieurs églises. À chaque fois, je donne les cours de l'école biblique. À chaque fois, toujours, j'entends ces pensées, je ressens ces pensées, je ressens cette frustration. Des personnes qui ont l'impression qu'ils ne peuvent pas s'approcher de Dieu. Qui ont l'impression que, non, mais pasteur, ça ne peut pas être pour moi. Ce n'est pas possible pour moi. Je ne peux pas avoir cette intimité avec Dieu. Je ne peux pas avoir cette relation avec Dieu. Mais sache que lui, il t'a accepté. Dis-moi bon amen.
qui nous le dit, Jésus lui-même nous le dit en Jean 6, verset 37, dans la version parole vivante. Jean 6, verset 37, dans la version parole vivante. Il dit, tous ceux, dites-moi tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et jamais, non, jamais, je ne repousserai celui qui viendra à moi. Ça veut dire quoi? Les prostituées, les gangsters, les criminels, les intellects, les Chinois, les Haïtiens, les Créoles, les Africains, les gens du Guatemala, tous ceux qui viendront à lui, Dieu les accepte. Amen. Je ne sais pas si j'ai le Guatemala, Seigneur, s'il te plaît. Pas Guatemala quand même. Bon, s'il faut aller, on ira. Amen. Il dit, car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour agir au gré de mes désirs, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Car celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a confié, mais je les ressuscite au dernier jour. Oui, c'est la volonté de mon Père que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent dès à présent la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il dit ici, si tu tournes ton regard vers Jésus, tu reçois la vie éternelle et tu es accepté de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans la communion de Dieu et Dieu veut ça. Dieu désire ça. Dis-moi bon, amen, amen, amen. C'est-à-dire quoi? La communion que tu recherches, elle n'est pas à des millions de kilomètres. Elle n'est pas à des milliers de kilomètres. Elle est juste là. Dieu veut, elle est à portée de main. Jésus disait, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Littéralement, repentez-vous car le royaume de Dieu est à portée de main. Il a porté de main. C'est juste repenter. Repentance, métanoïa. Changement de mentalité. Changement de concept. Réalise qui tu es en Jésus-Christ. Réalise combien tu as été accepté en Jésus-Christ. Dis à ces pensées-là qui te disent non, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Dis non, il m'a accepté car tous ceux qui viennent à lui, il les accepte. Dis-moi, bon amen à ça. Peu importe ce que tu étais avant, tu as été accepté de Dieu. Dis-moi, bon amen. Et tu dois comprendre cela. Accepte que Christ t'a validé. Et quelqu'un a chanté une chanson comme ça. Le Christ m'a validé. Dieu t'a validé, dis-moi. Voilà. Avec tes commandements, il t'a validé. Il t'a accepté parce qu'il s'est sacrifié à la croix pour cela, dis-moi. Voilà. Amen. Comprends que tu as été accepté de Dieu. Refuse toute pensée qui te dit le contraire. Refuse même toute parole de quelqu'un qui te dit le contraire. Parce que derrière, c'est l'ennemi qui veut te mettre à terre. Refuse cela au nom puissant de Jésus. Une des choses qui nous empêche de rencontrer Dieu dans la prière, c'est cette parole qui vient. Mais t'es sûr que qu'il t'entend? Mais t'es sûr qu'il va te répondre? Là, il nous dit quoi? J'accepte tous ceux qui viennent à moi. Mais pas que selon. Il dit, je les garde, je les protège, je fais en sorte qu'aucun ne soit perdu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu fera tout en sorte pour que jamais tu ne sois perdu. Comme un bon berger, lorsque tu voudras tomber, il te rattrapera. Comme un bon berger, même lorsque tu passeras par les vallées de la mort, ne crains pas parce que sa loulette sous bateau te rassure. Dis-moi, bon amen à ça. Il est avec toi. Amen. Dieu est plus déterminé que toi-même à ce que tu puisses réussir, que tu puisses progresser et que tu puisses vivre la vie qu'il a pour toi. Dis-moi, bon amen à ça. Dis avec moi, je suis accepté de Dieu. Tu as accepté de Dieu. Tu as accepté de Dieu. Amen. Deuxième chose, tu es devenu un enfant de Dieu et tu as une nouvelle famille. Tu es devenu un enfant de Dieu et tu as une nouvelle famille. Je pense qu'il y a quelqu'un à dire amen. Qu'est-ce qu'il nous le dit? C'est 2 Corinthiens 5, 17, la version Jérusalem. Il dit ici, donc quelqu'un est en Christ et dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu et un être nouveau est là. L'être ancien, c'était tout ce que tu étais avant d'être en Christ. Tout cela a disparu. Tout cela n'est plus. Tout cela n'est plus comptabilisé. Parce que maintenant, un nouvel être va prendre la place. Dis-moi un bon amen à cela. Lorsque j'ai donné ma vie, lorsque je suis né sur la terre dans l'état civil, il a été noté que Mateta Landou a été né de Michel Landou. Mais lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a un nouvel état civil qui a été promulgué dans les cieux. Maintenant, ils sont marqués. Né de Dieu par l'Esprit Saint, enfant de Dieu. Point. Il s'appelle Mateta Landou Christ. Point. Dis-moi bon amen à ça. Amen. Et à cause de cette nouvelle naissance, je peux déclarer, je peux être proclamé que s'il y avait une malédiction
dans la lignée, dans ma lignée familiale. Cette malédiction ne peut point m'atteindre ni atteindre ma postérité parce que je suis né maintenant de Dieu, du ma mère. Si j'avais une malformation physique, génétique, je peux dire que maintenant je suis né de Dieu parce que j'ai été régénéré. Mes gènes ont été entièrement régénérés. C'est maintenant des gènes divins, dis-moi un bon amen. Nous sommes une nouvelle création. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. J'honore toujours mes parents. Je les honore parce que la Bible dit honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux dans le pays qu'il te donne. Mais je reconnais que ma source maintenant est Dieu, notre Père. Dis-moi un bon amen. Je tire ma source de lui comme Jésus tirait sa source de lui. Ce que lui fait, je le fais pas erronément. Je dépends entièrement de lui, de ses paroles et de ce que lui dit parce qu'il est ma source. Dis-moi un bon amen. Nous sommes enfants de Dieu. J'ai dit, parfois la famille physique peut se retourner contre toi. C'est pour ça que Dieu te donne une nouvelle famille, une famille spirituelle. Regarde ton voisin, il est de ta famille. Regarde-le, il est de ta famille. Dis-lui, on se ressemble un peu quand même, hein? On se ressemble un peu. Il est ta famille. Non, maintenant nous sommes désormais frères et sœurs. Nous sommes désormais frères et sœurs. Certes, nous ne sommes pas parfaits. Dis-moi un bon amen. Certes, nous ne sommes pas parfaits. Mais par la grâce de Dieu, nous allons de gloire en gloire, de profondeur en profondeur et de ressemblance en ressemblance. Nous sommes transformés à l'image de Christ. Dis-moi un bon amen. Un bon amen. Pas de gloire en gloire. Parce qu'on est dans une famille spirituelle. Amen. Et dans une famille spirituelle, on apprend à s'aimer. On apprend à se supporter. On apprend à s'encourager. On apprend qu'ensemble, on va y arriver. Et ensemble, on va progresser dans le nom puissant de Jésus. Tu es devenu enfant de Dieu et tu as maintenant une nouvelle famille. Amen. Tu n'es pas seul, ma sœur. Tu n'es pas seul, mon frère. Il y a au moins, il y a ici quelqu'un que Dieu a destiné qui va te tendre la main et t'aider à avancer de l'avant. Dis-moi un bon amen. Tu n'es pas seul. Dis-moi un bon amen. Si tu veux acclamer, acclame, acclame, acclame comme il faut. Amen. Ne te laisse pas intimider par ton voisin. Dis-moi un bon amen. On doit vraiment réaliser qui nous sommes en Christ. Non seulement tu as été accepté de Dieu, non seulement tu es devenu enfant de Dieu, tu as une famille spirituelle, mais maintenant, maintenant tu sais que tu transportes une personne différente au-dedans de toi. La Bible nous parle des Corinthiens. 1 Corinthiens 1, vous lirez à la maison. L'apôtre Paul décrit comme quoi que les Corinthiens, il leur a manqué aucun don, aucune grâce. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu toutes les révélations de la parole de Dieu. Tout, la Sainte Seine, le Saint-Esprit, les dons spirituels, tout. Ils avaient expérimenté une dimension du Saint-Esprit. Ils avaient expérimenté tout ça. Mais 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 8, 7, 9, 10, 11, 12. L'apôtre Paul leur reprochait les impudicités, les disputes, les critiques, parce qu'ils négligeaient toutes ces choses-là. Et après, il leur dit, mais ne savez-vous pas que vous êtes le Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Parce que non seulement tu as été saisi de Dieu, non seulement tu es devenu enfant de Dieu, mais maintenant, tu abrites en toi la personne de Dieu au travers du Saint-Esprit. Dieu en toi. Dieu en toi. C'est merveilleux parce que parfois on a l'impression qu'on doit tout faire par nos propres efforts, mais ce n'est pas vrai. Pour celui qui invite Dieu à venir dans sa vie, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu lui-même vient vivre. Philippiens 2.13, dans la version parole vivante. Philippiens 2.13, version parole vivante. Entre parenthèses, j'aime bien ce qu'ils ont mis. Il dit, vous n'êtes pas seul. Dans ta marche avec le Seigneur, tu n'es pas seul. Qui est là? Il dit Dieu lui-même, au travers du Saint-Esprit, œuvre en vous, sa bienveillance suscite en vous à la fois la volonté et l'action. Dans la solution, il dit le vouloir et le faire. C'est-à-dire que Dieu lui-même, par son esprit en nous, suscite en nous la volonté et l'action. Pour quoi faire? La suite, il dit pour afin que ses desseins pleins d'amour se réalisent. Ça veut dire quoi? C'est que Dieu lui-même œuvre en nous pour que ce que lui a prévu puisse se réaliser. Lui-même, il œuvre en nous pour que cela puisse se réaliser.
Amen. Pourquoi? Pour que la gloire ne soit toujours à lui. Comment élèverons-nous cette faim, cette soif que tu as de la parole de Dieu? Ça vient d'où? C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui a mis cette faim et cette soif en toi. Amen. Avant, tu aimais autre chose. Mais maintenant, tu aimes la parole de Dieu. Tu désires connaître plus la parole de Dieu. Tu désires rencontrer plus Dieu. C'est Dieu lui-même qui met cette soif en toi. Dis-moi pour Amen. Romains, Amos 8, 11. Il nous dit, il vient des temps, il vient des jours, Dieu déclare le Seigneur, où les gens auront, il va mettre une famine dans le pays. Les gens n'auront pas faim, ni de pain, ni d'eau, mais ils auront faim des paroles de l'Éternel. Ils auront faim des paroles de l'Éternel. Et c'est de ces saisons-là, nous avons faim de lui, nous avons soif de lui. Dès que moi j'ai faim et soif d'entendre les paroles de l'Éternel, dis-moi pour Amen. Ah oui. Et c'est le Saint-Esprit qui met cette faim en nous. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui met cette faim en nous. Mais il ne fait pas que ça. L'Esprit de Dieu lui, lui donne aussi une connaissance révélée. Il y a des choses qu'on peut dire sur la chair. Il y a des choses qui sont écrites dans la Bible, des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. C'est le Saint-Esprit lui-même qui va t'enseigner, qui va te conduire, qui va te montrer la voie. Dis-moi toi, Amen. 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 Par exemple, est-ce qu'on doit fumer ou pas fumer? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? C'est pas écrit dans la Bible. Le Saint-Esprit lui-même, toi, va t'enseigner sur ce genre de choses. Je te dis, oui, il ne faut pas fumer. Je te dis, comme ça, c'est clair. Tout, il y a certaines choses que tout n'est pas écrit dans la Bible. Mais l'Esprit de Dieu lui-même va t'enseigner. 1 Jean, verset 2, verset 1, parle vivant toujours. 1 Jean 2, verset 27. 1 Jean 2, verset 27. Dans la version du second, il dit que l'onction que vous avez reçue demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Dans la version parle vivant, il dit, rappelez-vous, parce que parfois on oublie. Parfois, on oublie que l'Esprit de Dieu habite en nous. Rappelez-vous que vous avez reçu du Seigneur la marque de l'Esprit qui demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin que des instructeurs particuliers viennent vous instruire. Tu n'as pas besoin que le pasteur vienne spécialement à la maison pour toi. Tu as le Saint-Esprit qui est l'instructeur. Dis-moi bon Amen. Son Esprit qui vous a marqué vous enseigne tout ce que vous avez besoin de savoir et vous enseigne la vérité, jamais l'erreur. Il dit, obéissez donc à ses enseignements et demeurez en communion avec lui. Ça veut dire quoi? Quand tu es à la maison, tu lis, ok. Tu lis un verset 8, ok, j'ai pas compris. Et souvent on fait ça. J'ai pas compris. Tu ouvres, tu dis, Esprit de Dieu, explique-moi. Explique-moi les Écritures. Explique-moi ce qui est écrit là. Ce qui est écrit là. Quand tu suis une prédication ici à la maison, ici à l'église, à la maison, tu rentres. Tu prends maintenant, tu dis, Seigneur, j'ai compris certaines choses. Maintenant, allons maintenant en profondeur, de profondeur en profondeur. Dis-moi, pour Amen. Car il y a des profondeurs dans la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans ces profondeurs de la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Et il veut tous nous enseigner à nous tous. Il veut te donner des connaissances révélées. Pas juste que ce soit des mots inscrits dans un livre, mais que ce soit quelque chose que toi tu vives, quelque chose que tu connaisses, quelque chose qui soit une ferme certitude. Au point que tu dises, je sais que 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 je sais. De la même manière que tu sais que tu sais que tu sais, que tu sais, que tu sais que tu es enfant de Dieu. De la même manière, le Saint-Esprit va t'amener de profondeur en profondeur, de révélation en révélation. Et tu vas voir, tu vas augmenter, tu vas augmenter. Te demander que plus large, plus large, plus large, plus large, plus large, plus large. Plus de connaissances, plus de foi et plus de faveur, plus de grâce à l'Église. Amen. Dis-moi bon Amen à ça. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui œuvre en nous. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu tout simplement. Et une des prières que tu dois faire au quotidien, c'est pas juste donne-moi la voiture, donne-moi le mari, donne-moi ceci, donne-moi cela. Nanana. Donne-moi simplement cette soif de toi. Donne-moi ce désir pour toi. Parce que c'est lui qui met la soif. Mais c'est à toi de demander. C'est à toi de demander. Jean 7, verset 37, il dit, c'est un des seuls passages où Jésus a crié. Jean 7, verset 37. Il dit, Jésus s'écria que celui qui a soif, il vienne y boire.
Il va donner une eau. Et celui qui va boire de cette eau, il va donner des fleuves de vie qui vont sortir de son sein de manière littérale. Dis-moi un bon amen. Amen. Et Jésus veut que tu lui montres que tu as soif. Est-ce que tu as soif de plus de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu as soif de plus de Dieu dans ta vie? Amen. Il faut que chaque jour que tu lui demandes cette soif, ce désir de le rencontrer, d'aller plus loin avec lui, plus en profondeur avec lui. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Amen. Dieu t'a accepté. Dieu. Ensuite, je dis quoi? C'était quoi le deuxième? Dieu. Dieu, tu es devenu enfant de Dieu. Amen. Tu es devenu un être nouveau qui abrite le Saint-Esprit. Et quatrièmement, ton statut a changé. Ton statut a changé, ça veut dire quoi? La Bible nous dit que, à cause de l'offense d'un seul, Adam, toute l'humanité a été corrompue. Le péché a été transmis de génération en génération. C'est ça que la Bible nous dit en Romains 3, 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'avait pas accès à la présence de Dieu. On n'avait pas accès à l'intimité avec Dieu. On était comme des personnes qui allaient vers la mort. Quand tu vois quelqu'un, bien qu'il semble avoir réussi, bien qu'il semble avoir de l'argent, mais s'il n'a pas Christ, son esprit est mort et déconnecté avec Dieu. C'est comme s'il portait spirituellement un habit de condamné à mort. Mais nous, qui sommes en Christ, notre statut a changé. Dis-moi bon amen. Notre statut a changé. Première chose, nous sommes déclarés justes, déclarés justifiés. Justifié, c'est-à-dire quoi? En anglais, c'est righteousness, c'est-à-dire de rest standing before God, c'est-à-dire être agréable devant Dieu. Nous sommes rendus agréables devant Dieu. Pourquoi? Parce que Christ a payé le prix pour nous. Ce n'est pas à cause de nos actes, mais c'est justifié par la foi que nous sommes sauvés. Romains 5, verset 11, je crois. Romains 5, verset 1. Nous sommes justifiés par la foi. Ça veut dire quoi? Peu importe ce que tu as fait auparavant, il t'a déclaré non coupable. Avortement, non coupable. Impudicité, non coupable. Crime, non coupable. Il t'a déclaré non coupable. Ça veut dire que je peux m'approcher devant Dieu avec aucun sentiment de péché, aucun sentiment d'infériorité et aucun sentiment de culpabilité. Parce que Christ m'a justifié. Dis-moi bon amen à cela. Dis-moi bon amen à cela. Dis avec moi, je suis le juste. À chaque fois que tu verras dans la parole de Dieu, on parle du juste, on est en train de parler de toi. On est en train de parler de toi. Dis-moi pour amen à ça. Qu'est-ce qui a changé dans ton statut? Maintenant, tu es déclaré saint et sanctifié. Saint et sanctifié, c'est-à-dire mis à part. Mis à part. Dans toutes les lettres, on voit que l'apôtre Paul écrit aux saints. Voici la lettre qui est adressée aux saints. Je dis aux saints. Mais quand il parle des saints, il parle de toi, il parle de chacun d'entre nous. Nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous sommes maintenant saints, c'est-à-dire mis à part. Un peuple mis à part, un peuple sanctifié. Et parce que nous sommes mis à part, nous devons mener une vie qui montre que nous sommes mis à part. Une vie qui est mise à part, c'est-à-dire quoi? On ne vit pas comme les gens du monde. Non, du tout. Toi, tu vis selon le standard du Seigneur, dis-moi bon. Tu vis selon les standards du Seigneur. Ça peut arriver de tomber, mais on ne pratique pas le péché dans le nom de Jésus. On ne pratique pas le péché dans le nom de Jésus. 1 Jean, verset 3, verset 9. 1 Jean, verset 3, verset 9 nous dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Dis-moi pour amen. Ça veut dire quoi? À cause de la parole qui est en toi et à cause de la personne qui est en toi, tu ne pécheras pas dans le nom puissant de Jésus. Tu ne pécheras pas dans le nom puissant de Jésus. Aucun péché n'est trop fort qui peut te pousser à pécher. Dis-moi pour amen. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Est-ce que ça veut dire que les pensées de péché n'ont pas venir? Non. Est-ce que ça ne veut pas dire que les envies ne peuvent pas venir? Non. Les envies seront là, les pensées seront là. Mais toi, domine sur ces pensées. Dis-moi pour amen. C'est-à-dire quand tu vas sentir des choses monter, alors tu pries et tu dis, Saint-Esprit, calme ces pensées dans le nom puissant de Jésus.
Lorsque les pensées de tristesse vont venir, prends autorité contre ces pensées de tristesse. Ne pense pas que ces pensées, c'est toi. Ce n'est pas toi. Dis-moi un bon amen. Toi, tu es quelqu'un de joyeuse. Tu es une personne joyeuse. Tu es quelqu'un de joyeux. Dieu t'a créé pour la joie. Lorsque la tristesse vient, tu dis no way. Je domine sur la tristesse. Dis-moi un bon amen. Lorsque les pensées de découragement viennent, parce que cette année j'ai dit miracle, on a dit miracle, signe et prodige, mais il y aura des montagnes qui paraissent insurmontables. Dans ces moments-là, tu dis, je domine. Dis-moi bon amen. Amen. Il faut que tu comprennes cela, parce que ça fait partie de ton identité, c'est dans ton ADN. Tu es saint, tu es mis à part. Tu es saint, tu es mis à part. Tu es saint, tu es mis à part. Ma sœur, cette relation, s'il faut couper, il faut couper. Dis-moi bon amen. Il faut couper, il faut couper. Mon frère, arrête de courir partout. Reste tranquille. Dis-moi moi, bon amen. Il dit, sans la sainteté, nul ne verra Dieu. Sans la sainteté, nul ne verra Dieu. Mais qui produit en nous cette nature de sainteté? Le Saint-Esprit. Enlève les doigts, balaye, enlève tout, ordure toutes ces pensées, tu enlèves tout ça. Il le fait, car c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire, la volonté et l'action. Dis-moi pour amen. Dis-moi pour amen. Je te vois rentrer dans une autre intimité, dans une autre nature. Dis-moi pour amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Notre statut aussi a changé. Dieu nous a déclaré délivré de la puissance des ténèbres. 1 Colossiens 1:13. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Pour beaucoup, parfois, on ne croit pas que le combat spirituel existe. Certains, quand ils lisent la parole de Dieu, ils voient que Jésus parle des démons, des esprits méchants. Sache que mon frère, ma soeur, ça existe. Ce sont des oppressions, ça peut se manifester sous des oppressions, des pensées. Parfois, ça se manifeste la nuit, t'as l'impression qu'on t'attaque la nuit. Ici, il dit que Dieu t'a délivré de la puissance des ténèbres et t'a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ça veut dire quoi, délivré de la puissance des ténèbres? Ça veut dire que auparavant, tu étais parmi les personnes qui ne connaissaient pas Christ. Mais maintenant, Dieu a posé sa main, il t'a pris, il t'a transporté dans son royaume. Et maintenant, tu es caché en Christ. Ça veut dire quoi? Que même si l'ennemi te cherche, il ne peut pas te trouver parce que tu es caché en Christ. Tu es caché, tu as été transporté. Tu as été transporté. Est-ce que ça veut dire que je n'aurai pas d'oppression? Si, des fois ça viendra. Est-ce que ça ne veut pas dire que l'ennemi ne frappe pas ma porte? Si, ça peut venir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es caché en Christ. Tu as l'autorité de Christ et tu peux déclarer « No way, je refuse cela. Ce n'est pas mon partage, ce n'est pas mon héritage parce qu'il m'a transporté dans son royaume de lumière. » Dis-moi bon. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Clame, clame. On en parlera plus en profondeur dans l'année. Mais je proclame ce soir dans le nom puissant de Jésus, à cause de cette parole, Colossiens 1:13, dans le nom de Jésus, que toute oppression dans ta vie maintenant cesse dans le nom puissant de Jésus. Que toute oppression cesse dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. À cause de l'autorité que Dieu nous donne dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous détaillons en pièces dans le nom de Jésus. Que toute pensée d'oppression à partir de ce jour ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. S'il venait dans tes rêves, tu as l'impression qu'on t'attaquait. Maintenant, c'est toi dans le rêve qui les poursuit et c'est toi qui les taille en pièces dans le nom puissant de Jésus. Et je déclare que jusqu'à la victoire totale sur cela, sur ces oppressions, personne ne t'arrache à la vie dans le nom de Jésus. Personne ne t'arrache à la vie dans le nom puissant de Jésus. Ni la vie de tes enfants, ni la vie dans ton foyer, ni la vie dans ta famille. Dans le nom puissant de Jésus. Cette parole est certaine, elle s'accomplit et elle se manifeste dans le nom de Jésus. Nous prenons autorité et nous déclarons au nom de Jésus, ça suffit. Tu dois comprendre véritablement qui tu es en Jésus-Christ. Parce que les situations vont venir,
Maintenant, c'est est-ce que tu vas tenir ferme sur ton identité. Est-ce que tu me suis ce matin? Dis-moi, je te suis. Amen. Et nous devons vraiment réaliser cela que désormais, à cause de ce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes déclarés vainqueurs plus que vainqueurs. Tu n'as même pas encore remporté de combat, mais tu es déjà déclaré vainqueur. Car Christ a déjà remporté le combat. Quand tu affrontes une situation, tu n'es pas en tant que challenger, tu as déjà la ceinture de plus que vainqueur. Conquérant, déterminé, tu es déjà vainqueur. Et cette année, celui qui fléchit le genou, ce n'est pas toi, c'est l'ennemi qui est mort. Amen. C'est l'ennemi dans le noir. C'est une situation qui fléchit cette année dans le nom de Jésus. Une situation qui fléchit cette année dans le nom puissant de Jésus. Et je voudrais aussi que tu réalises que notre nouvelle naissance nous a conféré un nouveau positionnement. La Bible nous dit au sujet de Jésus-Christ, en Éphésiens 1, verset 20, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. Il dit que Jésus a été assis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. C'est ce qui est dit au sein de Jésus. Il a été assis au-dessus de toute autorité, c'est-à-dire toute puissance des ténèbres, mais au-dessus de tout ce qui peut se nommer, c'est-à-dire peu importe maladie, peu importe le nom, même le nom compliqué, Jésus est au-dessus, dis-moi bon, amen. Le nom de Jésus est au-dessus. En plus, il précise dans le siècle présent et même dans le siècle à venir. C'est-à-dire que si demain il trouve d'autres noms, le nom de Jésus est au-dessus. Tu vois, pour amen. Mais il nous dit à propos de nous que en Éphésiens 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Puisque Christ est au-dessus, nous on est où? Nous on est où? Au-dessus, puisque nous sommes assis ensemble avec Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Cette année, peu importe la situation, tu domines. Peu importe la situation, tu domines. Tu domines. Tu domines. Tu domines. Tu domines. Et on doit le comprendre que ça, c'est notre héritage. C'est parti de ce qui est à nous. Et c'est ce que le Seigneur a déjà fait de nous. Dis-moi bon amen. Maintenant, trois conditions pour que cela puisse se manifester. Trois décisions que tu dois prendre pour que cela se manifeste dans ta vie. Le pasteur Yvan, dans le séminaire des 5 ans, il m'avait parlé. Il y a trois décisions qu'on doit prendre pour que cela se manifeste. Hébreux 6, à partir du verset 11, dans la version plus seconde 21, il nous dit que « Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle. » Dites-moi le même zèle. Pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Ici, il nous dit pour recevoir l'héritage promis, il y a trois conditions. Là, c'est indispensable. Quel que soit le domaine de ta vie, il va falloir que tu fasses preuve de zèle, de foi et de persévérance. De zèle, de foi et de persévérance. Tout ce que j'ai dit, c'est vrai. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui, tu ne le vis pas, mais tu vas le vivre parce que tu vas faire preuve de zèle, de foi et de persévérance. Le zèle, c'est quoi? On en avait parlé l'année dernière. Le zèle, c'est cet enthousiasme, cet empressement, cette passion, cette diligence, cette ardeur, cette assiduité, ce sérieux, cet entrain que tu dois avoir pour Dieu. Amen. C'est cette ferveur, cette passion que tu dois avoir, ce désir brûlant de plaire à Dieu, de faire la volonté de Dieu. Parce que quand on est zélé, tu ne peux pas rester dans le péché parce que tu dis non, je dois plaire à Dieu, je ne peux pas rester dans cette situation. Dis-moi, bon, amen. Quand on est zélé, on cherche toujours une solution. Moi, j'aime la femme. On l'appelle la femme à la perte de sang. Mais je dis, mais pourquoi elle n'a pas donné son prénom? Enfin, la perte de sang depuis 12 ans, mais elle était zélée. Elle a cherché une solution pendant 12 ans. Pendant 12 ans, elle a cherché partout. Elle a dépensé son argent. Et la Bible nous dit que son mal s'est accru. On a fait beaucoup de mal. Mais au bout de 12 ans, on pourrait se dire qu'elle avait abandonné, mais elle n'avait pas abandonné. Elle avait encore un zèle. Elle se disait, il y a forcément une solution. Je ne suis pas né comme ça. Tu n'es pas né comme ça. Il y a une solution. Dis-moi, bon, amen. Elle dit, je ne suis pas né comme ça. Elle dit, non, je ne suis pas né comme ça. Elle était zélée. Et puis je vous dis la dernière fois qu'elle a entendu certainement parler de Jésus qui pouvait guérir. Et elle a décidé d'aller toucher Jésus
personne l'avait fait auparavant. Personne n'avait touché Jésus et personne n'avait été guéri. Jésus priait pour les gens et était guéri. Jésus donnait sa parole et était guéri. Elle dit non, moi je vais le toucher et je vais être guéri. Elle est devenue un signe pour sa génération. Un signe pour sa génération. Ça tu liras, c'est en Marc 5 et en Marc 6. Toute une ville à cause de ce qu'elle avait fait. Toute une ville à cause de ce qu'elle avait fait. Toute la ville, ils ont dit à Jésus, pas besoin de prier, pas besoin de donner la parole. Laisse-nous seulement te toucher, on sera guéri. Et ils furent tous guéris. C'est ça être un signe. Tu seras un signe cette année dans le nom de Jésus. Tu seras un signe cette année dans le nom de Jésus. Mais il faut que tu sois zélé. Il faut que tu sois zélé. Il faut le zèle. Le zèle, c'est ce feu que le Saint-Esprit allume en toi. Ce désir qui te dit non. Il y a forcément un plan. Amen. Le zèle qui te pousse à dire non, je ne prends pas de plan B, mon plan c'est selon Jésus. Jésus, c'est selon Jésus, lui seul, il est capable de le faire, dis-moi un bon amen. Et le zèle est important parce que le zèle intervient avant la foi. C'est le zèle qui te pousse à chercher Dieu, c'est le zèle qui te pousse à regarder les paroles, à regarder, à scruter, à regarder, et à force de regarder, à force de lire, à force de méditer, à force de scruter, à force d'écouter les paroles, à force de méditer les paroles, à force de dormir avec la parole, de se lever avec la parole, de marcher avec la parole, à force que cette parole soit en toi, alors cette parole devient maintenant une révélation. Et lorsqu'elle devient une révélation, maintenant elle produit la foi. Amen. La Bible nous dit, Hébreux 11:1, or la foi est l'affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais ça ne veut pas dire que la foi ne voit pas. On ne voit pas avec les yeux physiques, mais la foi a des yeux qui voient d'autres choses. La foi a des yeux qui voient d'autres choses. Tout ce qu'on a dit aujourd'hui, ne va pas trop vite. Non, je vais aller écouter l'enseignement de tel truc, de tel pasteur. Non, prends le temps. Ça, c'est le fondement. Tout commence de là. Après, tout le reste vient. Si tu ne comprends pas ça, c'est pas la peine d'aller trop loin. Va là-dessus. Tu laisses les paroles monter en toi. Tu laisses les paroles devenir une ferme conviction au-dedans de toi. Et tu le fais par le Saint-Esprit. Explique-moi. Montre-moi les paroles. Tu te dis, imprime en moi ces paroles. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles moi je ne croyais pas. Je disais, Saint-Esprit, le pasteur a dit, toi-même, convainc-moi. Toi-même, mets en moi la foi pour ce que je veux, pour ces paroles-là. Et quand tu fais ça, lui-même, il le fait et il produit en toi la foi. Ça produit une ferme assurance. Une ferme assurance. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire cette conviction après une démonstration. La démonstration, c'est cette conviction. C'est ces actes que tu vas poser qui vont démontrer que tu sais qui tu es et véritablement tu sais que le Seigneur a le meilleur pour toi. C'est la foi qui fait que jamais tu es ébranlé. C'est la foi qui fait que à chaque fois tu te relèves. C'est la foi qui te fait encore te relever. C'est la foi qui fait que même lorsqu'on te met des coups, tu dis yeah, I am back. C'est la foi qui fait ça. C'est la foi qui produit ça. Amen. Amen. Il te faut la foi cette année. Dis-moi un bon amen. Le zèle, la foi. Donc médite. Médite encore et cela produit la foi. Et après, il te faut l'endurance. L'endurance parce que tout ne viendra pas d'un coup d'un seul. L'endurance et la persévérance parce que tout ne se fera pas d'un coup d'un seul. La semaine dernière, le frère Romain vous a dit qu'il faut faire preuve de patience par rapport au salut de la famille parce que ça prend, parfois ça peut prendre du temps. Quand on regarde l'héritage, le peuple hébreu, l'ombre de l'héritage, c'est la conquête de Canaan par le peuple hébreu. Mais ça ne s'est pas fait en quelques jours. Ça a pris 7 ans. Et au bout de 7 ans, ils n'ont pas tout conquis. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses preuve de persévérance et d'endurance. Faire preuve de persévérance et d'endurance. Comme cette femme à la perte de sang. Pendant 12 ans, elle a persévéré. Mais elle a eu sa percée. Alors sois, cette année, sois persévérant. Persévérant dans la prière. Persévérant dans tes supplications, persévérant dans tes jeûnes, persévérant dans tes habitudes, persévérant. Ne pense pas que, parce que parfois on dit, mais ça fait longtemps que je fais ceci, ça fait cela, je pensais que ça allait marcher. Continue, 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 tu verras, ça va marcher. Amen, amen. Rappelez-vous toujours, hein, Matthieu 7, 7,
Il dit que demandez et vous recevrez, cherchez-vous. Et après, il dit quoi? Frappez, insistez, continuez et la porte sera ouverte. Il faut toujours persévérer. Toujours persévérer. Le Seigneur va le faire dans ta vie dans le nom de Jésus. Le Seigneur va le faire dans ta vie dans le nom de Jésus. Dis-moi bon amen. Est-ce que tu veux que ta vie change? Est-ce que vraiment tu veux que ta vie change? Est-ce que vraiment tu veux qu'elle change? Le Seigneur le veut aussi. Le Seigneur veut aussi. Alors on va se lever, on va demander au Seigneur qu'il les fasse dans nos vies, dans le nom de Jésus. Le premier thème, il a dit, tu as été accepté. Tu as été accepté. Et avant qu'on prie pour cela, je voudrais simplement demander à quelqu'un ce matin, est-ce que tu as vraiment donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu as réellement donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Les choses nous montrent que le Seigneur Jésus revient bientôt. Tout ce que nous avons parlé aujourd'hui de cette vie, elle est possible lorsque nous sommes à Christ. Alors là où tu es, si c'est ton désir ce matin de faire cette rencontre avec Jésus-Christ, est-ce que tu peux simplement lever la main là où tu es? Est-ce que tu peux lever la main là où tu es? Si tu désires simplement faire une rencontre avec Jésus-Christ, est-ce que tu peux lever la main là où tu es? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire cette rencontre avec Jésus-Christ? Il y a quelqu'un qui veut faire ce rencontre avec Jésus-Christ ce matin. Ok, amen. Gloire à Dieu. Cela veut dire que demain, il faut qu'on évangélise beaucoup plus. Dis-moi un bon amen. Maintenant, tu vas prier. Tu as déclaré que tu es accepté par Dieu. Tu as déclaré que tu es accepté par Dieu. Que toute pensée qui te disent le contraire, que ce soit nul à venir dans le nom de Jésus. Élève ta voix là où tu es. Élève la voix où tu es. Proclame-le, 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 proclame-le. Ma sœur, beaucoup de ces pensées t'ont mis à terre. Déclare-le dans le nom de Jésus que Christ t'a accepté dans le nom puissant de Jésus. Mon frère, peu importe ton passé, peu importe tes choix, l'Éternel ce matin te dit que tu as accepté. L'Éternel te dit ce matin que tu as accepté. L'Éternel te dit ce matin que tu as accepté. Que tu as accepté. L'Éternel te dit que tu as accepté. L'Éternel te dit que tu as accepté ce matin. L'Éternel te dit que tu as accepté. Proclame-le, 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 proclame-le. Proclame-le. Proclame-le, proclame-le, proclame-le.
Dis avec moi. Je déclare aujourd'hui que je suis accepté de Dieu. Je prends autorité contre toute pensée qui me dise le contraire. Tristesse, dehors. Peur, dehors. Je proclame, je suis le juste de Dieu. Il m'a justifié, il m'a sanctifié, il m'a mis à part. Je domine, je triomphe. Je déclare aujourd'hui ma victoire en Jésus-Christ. Victoire contre le péché. Victoire sur la maladie. Victoire sur les oppressions. Vous qui arrachez ma vie, celle de ma famille, au nom de Jésus, je viens contre vous. Au nom de Jésus, je viens contre vous. Au nom de Jésus, je vous taille en pièces. J'ai dit, je vous taille en pièces. Stérilité, je vous taille en pièces. Maladie, je vous taille en pièces. Je prends maintenant autorité sur le voile qui est sur les yeux de ma famille, qui les empêche de recevoir Christ. Que le voile se déchire. Que le voile se déchire. Satan, tu lâches maintenant. Je dis, tu lâches maintenant. Mon frère est pour Christ. Mes parents sont pour Christ. Ma famille est pour Christ. J'ai dit, elle est pour Christ. Mes enfants sont pour Christ. Mes entreprises sont pour Christ. Mon mari ou ma femme dit, sont pour Christ. J'ai dit, il ou elle est pour Christ. Maintenant, prends autorité. Élève ta voix. L'homme et les gens de ta famille. Appelle-les. 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 On a parlé de combattre les gens de ta famille. Maintenant, tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Appelle. Appelle. Déchire. Que Dieu déchire ce voile. 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 Que l'ennemi desserre ses mains. Que l'ennemi desserre ses mains. Que l'ennemi desserre ses mains. Oui, rachète, il rachète, il rachète. Oui, rachète. Nous sommes en train de demander le salut de notre famille. Parce que non, ils n'iront pas à la mort, non, non, non. Ils n'iront pas à la mort, non, 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 nous refusons. Ce n'est pas la part de l'héritage. Les promesses sont dans l'héritage. Mais tu as dit, Père, prends Seigneur Jésus, tu seras soin de ta famille. Alors Seigneur, j'appelle, 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 je demande, je réclame, Père, sur la base de ta miséricorde, Père. Thank you.
proclamation. Faites une proclamation. Produit en nous le vouloir et le faire pour que tes desseins pleins d'amour se réalisent. Et tes desseins pleins d'amour cette année, c'est miracle, signe et prodige. Donc dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de nous tous, nous ne voyons, nous n'acceptons qu'une seule chose, miracle, signe et prodige. Miracle, signe et prodige. C'est notre partage cette année. Nous avons ainsi prié, ainsi Seigneur, nous t'avons élevé. Reçois nos acclamations, reçois vos acclamations. Acclamations.